Eh bien salut à tous, avant que la vidéo commence les gars, je cherche tout simplement un VFX qui peut me faire une intro spécifique que je cherche vraiment. Donc pour tous les VFX qui sont intéressés, mes réseaux sociaux se trouvent en description. Je compte sur vous, donc ceux qui savent faire des intros. Donc je vous rassure, c'est une intro en 2D que je souhaite. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou bien même dans les commentaires de ma vidéo pour me dire si vous savez faire des intros, et ensuite je vous expliquerai tout. Donc voilà, moi les gars, je vous dis bon visionnage. Eh bien salut à tous, c'est Diem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à liker, je compte sur vous, c'est très important. Et comme d'habitude les gars, on n'oublie pas tout simplement le mini-jeu du jour. Alors quel est tout simplement votre record de kill, d'accord? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 20? Dites-moi en tout cas dans les commentaires. Pour ma part, mon record de kill c'est tout simplement 12 kills. Ok les gars, donc c'est parti, on va passer directement aussi les gars à directes informations. Donc tel que Snapchat, Instagram, etc. J'aimerais bien que vous le rejoigniez les gars. Il s'est affiché tout simplement à l'écran en début de vidéo. Et il est tout simplement dans la description les gars. Quand je vous dis que je suis H24 actif dessus. Et je vous réponds très régulièrement. Et sachant que je fais vraiment mes concours sur Snapchat. Vraiment tous les concours. Donc voilà, donc si vous voulez avoir une chance de gagner tout simplement un pack. Ou quelque chose comme ça avec des V-Bucks. N'hésitez pas à rejoindre tout simplement mon Snapchat. Où je vous fais gagner plusieurs lots chaque semaine voire chaque mois. D'accord ? Donc les gars, avant de commencer directement le sujet de la vidéo, on va parler de diverses news. Allez les gars, sans plus attendre, on va parler tout simplement de plusieurs revêtements tels que pour le chevalier noir. D'accord, donc je vous mets des concepts à l'écran. Voilà, donc vous pouvez voir tout simplement le chevalier noir sans le casque. Donc voilà, donc qui est vraiment très très beau avec une lumière orange dans les yeux. Ça fait vraiment très stylé. Et les gars, ensuite je vous affiche un deuxième skin tout simplement pour le mode féminin. Pour avoir la chevaleresse rouge sans le casque. Voilà, donc je trouve ça vraiment un très bon concept et je pense que ça va arriver tout simplement parce que c'est sûr, il y a eu déjà ça pour plusieurs skins, donc pour notamment les tout simplement les astronautes. Et en parlant d'astronautes, je vous affiche une troisième image à l'écran avec un astronaute, donc le Dark Astronaute noir, donc sans son casque. Voilà, donc c'est vraiment sûr, hein, ils vont vraiment arriver sur Fortnite, donc tous les skins sans les masques. Donc voilà, donc normalement tous les skins qui ont des masques, on va pouvoir les enlever leur revêtement de masque tout simplement. Donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez les gars, dernière news avant de passer au vrai sujet de la vidéo, c'est tout simplement la potion voyage. Donc voilà, donc je vous l'affiche à l'écran les gars, vous voyez, c'est une potion qui est assez stylée, orange, donc qui vous permet de tout simplement revenir dans le temps. Donc par exemple, si vous êtes à Tilted et que vous vous déplacez à Loot Lake, vous utilisez cette potion et ça vous fera revenir à Tilted. Donc c'est vraiment stylé, en fait ça va vous faire une sorte, je pense, de réapparition directement à Tilted. Donc c'est vraiment cool. On sait pas encore les dates de quand tout simplement les ravitaillements, donc les revêtements ou bien la popo voyage va arriver, mais en tout cas c'est sûr qu'elle va arriver dans le jeu. Allez les gars, sans plus attendre, on va passer directement au vrai sujet de la vidéo, donc qui est tout simplement comment avoir un skin PS Plus gratuitement, comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature. Voilà, donc je vous affiche le skin PS Plus à l'écran. Donc voilà, vous voyez qu'il est vraiment très stylé en bleu avec tout. Donc comme je vous le dis les gars, c'est un concept, ce n'est pas sûr, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On n'est vraiment pas sûr qu'il va sortir. En tout cas s'il sort, je le trouve vraiment stylé et je pense qu'il y a des chances à ce qu'il le sorte, car aucun starter pack tout simplement de chevalier bleu comme ça est sorti, à part le skin glacial du chevaleresse. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce PS Plus. Pour ma part, je trouve qu'il est tout simplement génial et qu'il est très très beau. Donc il pourrait même nous faire une petite option, un petit bonus cette fois-ci, que de nous donner 100 à 200 V-Bucks en plus en bonus, ça serait vraiment cool. Voilà, donc les gars, j'ai tout dit pour ça. Donc j'espère que tout simplement cette vidéo vous aura plu autant que cette information vous aura plu. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye tout le monde.